Hey, salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour s'ouvrir encore une ETB, flamme obsidienne. Mais je tiens à préciser que dimanche, ça y est, j'ai reçu les deux displays sont là. On va les éloigner un peu. Voilà, les deux displays sont là pour le gros dimanche où le concours des 500 abonnés partira donc dimanche. Et je rappelle aussi pour les 600 abonnés. Donc toujours pareil, un pack récompense pour 3 personnes. Et pareil. Donc il y aura les 600 et 700 abonnés, il y aura encore du pack récompense deuxième série, c'est ce qui me reste, il me reste 6. Donc j'ai tout, je vous ai tout distribué, le reste ce que j'avais. Allez, c'est parti. On s'ouvre cette ETB. Et donc dimanche, on va se faire cette vidéo en famille, on va s'ouvrir je pense une centaine de boosters. Donc ça va être une tuerie, nous allons sortir plein de belles choses, j'espère en tout cas. Donc, où sont les boosters là-dedans? Allez, on va tout balancer par terre, comme d'habitude. Le code de la truc, il est complètement explosé. Allez, je vous le donne comme ça. Complètement explosé le code. J'espère que la carte promo ne sera pas abîmée. Non, la carte de promo est super belle. Le beau salamèche avec les roues cool. On va les laisser là sur le côté. On la voit pas sur le côté. Voilà, on va l'être comme ça. En espérant qu'on ait plein de belles choses. Les sleeves, on peut les mettre là aussi. Sont belles. Allez, c'est parti. On a 9 boosters. Est-ce qu'ils se sont pas trompés? Non, on a bien les 9. Allez, c'est parti. En espérant avoir des dingueries. Donc, on se retrouvera tous dimanche pour une grosse ouverture pour le concours des 500 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire. Donc, on est 530 sur la chaîne. Donc, je vous remercie tous d'être abonnés à ma chaîne. Pour tous ceux les plus récents comme les plus anciens qui me supportent depuis plus d'un an maintenant. Donc c'est génial tout simplement. Mustéboué, Croquine, Magnéti, Terra Cruel, Trio Pickeur, Tombéro, Umbrilex, Reverse. J'espère que cette DB va nous apporter quelques belles cartes. Il m'en manque plus que 11 exactement. Il me manque que 11 cartes de la série. Donc 530 abonnés, ça veut dire qu'on va faire le concours des 500 abonnés donc dimanche. Et si on atteint les 600, on fera directement un autre concours pour gagner donc ces packs récompenses que je vous ai montré au début de la vidéo. Et pareil pour les 700. Et pour les 800 et 900 aussi, j'essaierai d'en récupérer. Donc jusqu'à 900, on fera gagner des packs récompenses tous les 100 abonnés. Donc si vous voulez du pack récompense, abonnez-vous à la chaîne. Il y en aura encore pour les 600, 700, 800 et 900. Donc il y aura 4 concours où vous pourrez gagner. Vous aurez 3 chances d'en gagner un. Pyrax, tête d'ampoule. Non, Poppy. J'aime bien l'avoir en full art normal, Poppy. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu la full art normale de la petite Poppy. Allez, on essaye quand même d'avoir quelque chose dans cette ETB. Deux boosters. Pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose. On va essayer de choper une belle carte, quand même, le petit Mélo. En AR qui est super belle. Sepiatop. Tiracool. Malos. Terrestre. De Paldea. Desselian. Flamaroule. Snubbull. Qui est bien installé sur son canapé. Mais un regard un peu bizarre quand même. Toxizap. Et encore une loi. Un super dauphin. J'en ai marre du super dauphin. Il me suit partout. Bon. Il faudrait y avoir un petit truc dans cette ETB. On a ouvert 3 boosters. Ça commence tout doucement. Les ont-ils planqués à la fin? Ben, sachant que j'ai eu une ETB en off où il n'y avait qu'un hit dedans. Hein. Donc ça peut arriver qu'on puisse avoir rien du tout dedans aussi. Malheureusement, ça peut arriver. J'espère pas quand même. Que j'ai rien en off, ça me va. Mais quand je filme, c'est un peu. Ça serait un peu triste. Escavarène. Solarok. Démolos. Et les dragues se font rares. Quand c'est pas des displays, les dragues se font quand même assez rares. Spoink en reverse. Candine en reverse. Et un Entei en holo. Waouh. On arrive à la moitié de la display, la moitié de l'ETB quand même. Et on n'a pas vu un seul hit pour l'instant.
Il va falloir faire un peu mieux. Mais pas donner le TB, la pire ouverture de l'ETB. Pourquoi pas? Après une display avec 3 dracs dedans. On va essayer de faire dimanche les 4 dans la même display. En deux displays, on pourrait essayer de le faire. Hein. Poltergeist. En espérant qu'on en fasse tomber déjà quelques-uns. Ce serait déjà pas mal. Terra Cruel. Fenard, magnifique. Allez, le crabeau minable, sors-moi quelque chose derrière toi. Qu'est-ce que tu caches? Ben rien du tout, il cache rien du tout lui. Hein. Il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On a fait la moitié de. Plus de la moitié. Ça y est, on a ouvert plus de la moitié de l'ETB. Ça prend pas une belle tournure cette affaire. Ou alors il cache une grosse carte et m'en donneront qu'une. Pourquoi pas? Mais bon, la dernière fois, le TB où il n'y avait qu'un hit dedans, c'était pas. C'était Medodelph, je crois. Donc c'était pas le meilleur hit qu'il y avait. Hein. Balbuto. Allez, il va falloir trouver quelque chose sur la rock. Quelque chose de beau à trouver, à montrer. Et pourquoi pas rajouter surtout une carte à la collection, parce qu'il me manque 11. Donc ça serait bien d'en rajouter une petite Salarsen Rare Reverse. C'est bien les Rare Reverse, mais il ne faudrait pas que ce soit toujours les mêmes qui tombent. Celle-là, je l'ai déjà quelques fois. Ah bon. Bon, on l'a déjà celle-là, mais on aura eu une petite hit et je suis pas certain qu'elle tombe bien souvent si celle-là. Je l'ai fait tomber qu'une seule fois. Et encore, c'est même pas moi qui l'ai eu. Je l'ai eu à l'avant-première celle-là, au tout début à l'avant-première. Elle tombe pas si souvent que ça. Le Melmetal X. Elle est super belle n'empêche. Très très belle. Au moins, on aura eu quelque chose. C'est pas formidable, mais on a eu quelque chose. Allez, il nous reste 3 boosters pour faire une petite dinguerie, pour tirer un petit drac, ou qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Des petites aères qu'on n'a pas. Il manque 2 petites aères. Il manque le cochon et le roucoups en aère. Il nous manque un pitrini, vrombi, et il nous manque le vrombotor en alternative aussi. Umbrillex, Crumble. Et Allison, je crois qu'il s'appelle aussi en alternative, il nous manque. Groré. Tout tombe. Ah, tout tombe. Alors là, si tout tombe, il y a derrière, il y a quelque chose. Oh, waouh, il y a au moins un brin d'hibou. Eh oui, bah, Togekiss aussi derrière, tout tombe. Ah, ouais, mais pas là. Ah oui, l'énergie du feu, oui. Bravo. C'est bien, tout tombe. Bon, Drac. Mais c'est pas le bon. Allez, Drac Colosse. De tout nous faire tomber un petit truc avec un booster bien rempli. Allez, un petit code encore pour vous. Il y en aura plein des codes. Magnéti, Evoli, booster en I. Ah non, Tiracool, Malos, Triopiqueur, Tombero, Escavarène, le gros lapin, Poule à griffe. Premier reverse, deuxième mal coupé, waouh, oh le haut, ah, full art, ah, la tombe déjà pas mal, mais celle-là, elle est le bas, on met toute l'écriture tellement qu'elle est coupée vers le bas. Bon, une full art, ce qui est pas mal, la seule full art qui manque c'est le Absol comme vous savez, mais c'est pas grave, on va prendre le Rocarnage, on va le prendre, il est beau. C'est des très belles cartes. On aurait eu 2 hits dans cet ETB. Il manquerait un troisième pour être bien. Allez, petit Vrombotor. Qu'est-ce que tu vas nous cacher? On va voir ce qu'il nous cache, le Vrombotor. Allez, c'est parti, petit code. Dernier booster de cette aventure. On se retrouvera donc dimanche pour ces deux displays, il y a des displays ETB, tripack, on va ouvrir plein de boosters, on va en ouvrir une centaine. Et on sera beaucoup autour de la table. Archéodong, Poulagriffe, Reptincelle, ah, Reptincelle, Dragofeu, allez. Manzai, un reverse, allez, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Oh, une petite AR, ça c'est cool. On l'avait déjà, mais c'est cool. Malos, les petits Malos, il y en a plein, des petits bébés. Très cool, au moins ça fait déjà 3 hits dans le TB, donc 3 hits c'est le minimum pour qu'elle soit belle. Après derrière, voilà, l'espace c'est celui qui nous manquait en alternative, celui-là, mais c'est pas très grave. Donc ben voilà,
Une de chaque quasiment, une petite ex, une AR, une full art, pourquoi pas. C'est pas les meilleurs hits, mais voilà, c'est trois belles cartes en tout cas, parce que le Melmetal est très très beau. Malos, magnifique. Et le Roux Carnage, belle aussi. Bon, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous dis donc à dimanche pour la grosse vidéo pour le concours des 500 abonnés. Je vous dis à bientôt les petits clous et à bientôt pour de nouvelles ouvertures.